Méditation du 4 juillet, un homme assidu. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, verset 4. La forêt est belle, sombre et profonde, mais j'ai des promesses à tenir et des kilomètres à parcourir avant de dormir. Ces lignes écrites par le poète américain Robert Frost ont été lues lors des funérailles du docteur Tom Dolan, un médecin qui a consacré sa vie à aider les personnes dans le besoin au Laos. Son travail a été très important et novateur. Et il a inspiré la création d'un centre médical international. Lorsque le docteur Dolan a appris qu'il était atteint d'un cancer, il a su que sa vie serait plus courte. Il a donc travaillé sans relâche, jour et nuit. Selon un collaborateur, il se plaignait de ce que la journée ne durait que 24 heures. En 1959, lors d'une tournée aux États-Unis, il a visité 37 villes, donné 49 conférences en 60 jours et récolté près d'un million de dollars pour son centre international d'aide médicale. À son retour au Laos, il voyait une centaine de patients par jour, vérifiait le courrier une bonne partie de la nuit et était disponible à tout moment pour les urgences médicales. Moins d'un an plus tard, il est retourné aux États-Unis où il a tenu 55 conférences en 41 lieux en seulement 6 semaines. Il a dit à un ami, j'ai encore beaucoup à faire. Malheureusement, le docteur Dolan est décédé à New York le 18 janvier 1960 avant d'avoir achevé son travail. Plus encore que la vie de Tom Dolan, la vie de Jésus a été caractérisé par la conscience du peu de temps dont il disposait. Il a travaillé sans relâche, jusqu'à épuisement. Pendant que les autres dormaient, il priait. Il maintenait un rythme épuisant, enseignant ses disciples, guérissant les malades, plantant les graines de la vérité, réconfortant les découragés et mettant en œuvre le plan du salut. C'est pourquoi, à l'approche de la crucifixion, il a pu dire à son père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17, verset 4. Vis-tu pleinement ta vie? Que peux-tu faire aujourd'hui pour tirer le meilleur parti de ton temps et avoir un impact positif sur le monde? N'oublie pas que le temps est court. Vis avec détermination et patience. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.